Bonjour à tous, bienvenue à Football SN, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Pape Ndiaye Soirée, qui était le meilleur à son poste, perdu de vue. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous plaît et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. À l'instar des Américains, la date du 11 septembre sera sans doute inoubliable pour Pape Ndiaye Soirée. C'est ce jour, en 2016, que sa vie de footballeur sombre. En rentrant de l'aéroport, après avoir déposé un ami, une voiture le percute. Il se blesse au fémur et à la mâchoire. Cet événement malheureux précipite le début des galères pour le joueur formé par Diambar. Cet accident freine vraiment sa progression. Car lors de la saison 2015 à 2016, l'arrière gauche sort d'une saison pleine avec Crystal Palace. Il tient le couloir gauche des Eagles. Pape Ndiaye Soirée ne retrouve plus son niveau d'antan. Il passe 3 années de galère. Une immense déception pour le joueur, mais aussi pour les Lions de la Teranga. Le Sénégal éprouve les plus grandes difficultés à trouver son successeur. Aliou Cissé a dû longtemps bricoler à gauche. Avant de voir Saliou Cissé finalement s'imposer. À la surprise générale. Après son expérience. Anglaise, il retourne en France pour se relancer. Trois, il ne passe qu'une seule saison. Avant de vivre. Une saison sans club. Il finit par rebondir à Charlton. À la fin, le chômage le rattrape à nouveau par le collet. Actuellement, il évolue à Morecambe en Ligue 1, 3e division anglaise. Moralité, le destin peut basculer à tout moment. La réussite ne tient parfois qu'à un fil. Cet accident a freiné sa progression. Mais dans toute expérience difficile, il faut y tirer une leçon. Il y a des gens qui n'ont jamais retrouvé leur mobilité après un accident ou qui ont tout simplement perdu la vie.